Jésus, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, chantons gloire, gloire à Jésus, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est souverain, l'agneau est souverain. Amen. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il me fait marcher. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Semblable à se dénicher, il me fait marcher, il me fait marcher sur les rivières. Le Seigneur est ma force. Chantons Alléluia, 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 Jésus. Amen. Amen. On va prier. Père, à toi toute la gloire, la puissance, l'honneur et la majesté. Pour ce jour, Seigneur Père, que tu avais déjà mis à part pour accomplir, Seigneur Père, ton œuvre dans la vie de ta servante Daniel. Père, que tu as toi-même attiré à toi en parlant, Seigneur Père, dans le plus profond de son cœur. Comme tu as dit à Pierre et à André, suivez-moi. Père, ils ont tout laissé. Voilà Daniel aussi qui a entendu cet appel, Seigneur Père, et qui vient prendre l'engagement de tout laisser pour te suivre. Seigneur Père, nous te rendons grâce de ce que tu as vaincu, Seigneur Père, dans le visible, dans l'invisible, afin que cela puisse être possible, Seigneur Père. Que vraiment ce qui va être accompli aujourd'hui soit le début d'une vie radicalement nouvelle. Seigneur Père, où tu auras le trône de son cœur et que tu régneras, Seigneur Père, dans sa vie totalement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que vraiment la puissance de ton esprit puisse agir maintenant pour faire passer sa vie ancienne dans ses eaux et qu'elle puisse y demeurer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es fidèle pour accomplir tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Daniel, est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur? Oui, je reconnais, je le reconnais. Est-ce que tu veux prendre l'engagement d'abandonner ta vie de péché
pour marcher avec lui tous les jours de ta vie jusqu'à ce qu'il te reprenne. Oui, j'abandonne totalement. Est-ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts? Oui, je le crois. Je te baptise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Quand on est célébrant les louanges, adorant avec foi le Sauveur. Nous joyons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Son incomparable amour du ciel envoya son Fils unique et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, retentisse en tout lieu. Bon Sauveur, t'aimer par-dessus tout autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et que de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons vraiment te témoigner encore notre reconnaissance et célébrer ton nom cet après-midi. Seigneur Dieu, pour la vie ancienne de Daniel que tu as enterré toi-même par la puissance de ton esprit dans ces eaux du baptême. Père, que sa vie nouvelle que tu viens d'inaugurer maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse porter du fruit, qu'elle puisse être victorieuse, Seigneur Père, de jour en jour. Car tu dis, Seigneur Dieu, que celui qui est en Christ a crucifié la chair et marche par l'esprit. Seigneur Dieu, que chaque jour de sa vie, qu'elle puisse marcher par la puissance de ton Saint-Esprit et Amen. Vivre vraiment une véritable vie de résurrection, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, révèle dans son cœur ce pourquoi tu l'as attiré à toi. Maintenant qu'elle n'est plus une pierre morte, mais une pierre vivante à laquelle tu as redonné vie, Père éternel, révèle-lui afin qu'elle puisse accomplir ce pourquoi tu l'as appelée à toi. Père, remplis-la maintenant de tous les dons spirituels dont elle aura besoin pour accomplir fidèlement l'œuvre pour laquelle tu l'as appelée, car tu n'appelles personne dans le corps de Christ pour rien. Père, qu'elle puisse être une bonne épouse pour son mari. Amen. Qu'elle puisse témoigner, Seigneur Père, de ce que tu as accompli dans sa vie et conduit encore des âmes jusqu'à toi, Seigneur Père éternel. Qu'elle puisse être une bonne mère pour ses enfants, Seigneur Père, un témoignage vivant pour ses collègues, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ta vie, Seigneur Père, le parfum de bonne odeur de ta vie en elle, Seigneur Père, puisse s'expandre et que d'autres encore puissent respirer cette bonne odeur et venir à toi. Que ta parole puisse s'accomplir avec fidélité dans sa vie, Seigneur. Que son cœur puisse toujours être bien disposé pour écouter et obéir à la voix de ton esprit. Père, s'il arrive qu'elle chute, que ta main puissante soit là, tendu toujours pour la relever et la ramener sur le chemin et toi. Père, nous te bénissons parce que tu es fidèle et nous savons que c'est ce que tu veux accomplir et que tu accompliras dans sa vie. Père, que son cœur soit totalement soumis à toi et que toi-même, tu prennes la place et que tu règnes sur le trône de son cœur, Seigneur Père. Que sa volonté puisse être totalement soumise tous les jours de sa vie. Que son engagement de bonne conscience de ce jour
puisse être effectif au quotidien dans sa vie. Père, que son cœur puisse être soumis à la voix de ton esprit. Amen. Père, nous te rendons grâce parce que tu vas l'accompagner tous les jours jusqu'à la fin du monde, car c'est toi qui l'as promis, Seigneur Père. Nous te bénissons. Seigneur Dieu, le baptême de l'esprit, tu as dit que tu l'accordes à tous ceux qui te le demandent. Père, que la puissance de ton esprit descende sur elle et que la manifestation, Seigneur Père, des langues nouvelles puisse apparaître, car tu as dit dans Marc 16, verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront des langues nouvelles. Père, tu vois que cela est dans le cœur de ta servante. Accomplis ta promesse dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la puissance de ton esprit vienne maintenant et accomplisse son œuvre dans sa vie. Père, que ta foi augmente dans son cœur afin qu'elle puisse laisser, que tu déposes cette langue nouvelle, Père, en elle et qu'elle exerce ce don spirituel pour être édifiée elle-même et pour édifier aussi ton Église. Accorde-lui l'interprétation des langues, Seigneur Père, pour que cela puisse être utile à ton Église. Amen. Père, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Viens encore au secours de son incrédulité et accorde-lui de croire que tu es fidèle et que tu accomplis ta promesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Galilée, viens de Galilée, Jésus d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, de la Galilée. M'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Dieu peut encore le faire. Éternel Père de grâce, Dieu puissant, Dieu miséricordieux, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu de Franck, Père de gloire, merci pour ce moment que tu nous accordes. Alléluia. Ici, dans ce lac de Montgeron, Père, pour que ta volonté soit accomplie dans la vie de Franck. Amen. Seigneur, tel que Jésus-Christ lui-même l'a dit devant Jean-Baptiste, laisse accomplir tout ce qui est juste. Père, merci parce que tu donnes encore cette conviction dans le cœur de Franck aujourd'hui que le chemin du baptême est celui par lequel Jésus-Christ est passé. Car, Seigneur, tu dis à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Père, voici ton enfant qui est en train de chercher ce chemin. Voici ton fils qui est venu jusqu'à toi, Père, afin que tu accomplisses ton œuvre parfaite dans sa vie. Père éternel, toi qui l'as appelé et qui l'as conduit jusqu'en ce lieu, Père, que ta volonté soit accomplie pleinement dans la vie de Franck. Ô éternel mon Dieu, tu connais sa marche, tu connais, Seigneur, les désirs charnels qui étaient en lui. Père, je te prie afin que lorsque nous allons accomplir ce baptême, Seigneur, que tous ces désirs charnels soient engloutis dans ses eaux. Oh Seigneur mon Dieu, que toutes les pensées charnelles qu'il avait soient englouties dans ses eaux. Seigneur, que tous les actes charnels qu'il y avait dans sa vie soient engloutis dans ses eaux. Et qu'il naisse, Seigneur mon Dieu, une nouvelle création. Car tu nous dis que tous ceux qui sont en Christ ont crucifié leur chair. Père, que cette chair soit véritablement crucifiée maintenant. Et que désormais, dans sa nouvelle marche, Père, qu'il devienne celui-là que tu auras agréé, celui dont tu pourras dire, as-tu vu mon serviteur, Franck? Oh Père éternel, que ta main puissante agisse désormais dans sa vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu avais déjà prévu depuis la fondation du monde dans la vie de Franck. Seigneur, que rien n'échappe à la vigilance ni à la compréhension de ton Fils que voici. Toi-même viens le rétablir, Seigneur.
dans le rôle que toi-même tu vas lui confier. Seigneur, dès maintenant, garde ton église. Car tu nous dis que nous sommes devenus des pierres vivantes. Père, voici ton enfant qui est en train de s'engager. Que la gloire, l'honneur et la magnificence te soient rendus. Seigneur, parce que nous avons foi que maintenant, Père, tu es en train d'accomplir une œuvre magnifique, une œuvre incroyable, une œuvre que les hommes ne peuvent pas comprendre, mais que toi seul, Seigneur, es capable de voir et de comprendre et même d'attester. Béni sois-tu, Père éternel, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de Franck, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et comme ton Sauveur? Oui, je l'accepte. Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ était sur cette terre, qu'il a marché sur la terre, qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il siège à la droite de Dieu? Est-ce que tu l'acceptes? Oui, je l'accepte. Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est la parole, que cette parole, telle que lui-même nous le dit, celui qui m'aime garde mes commandements, que ces commandements sont la vérité et que désormais tu marcheras selon ces commandements de Christ? Est-ce que tu le veux? Oui, je le veux. Est-ce que tu acceptes que Christ soit désormais celui que tu vas suivre et que tu ne suivras plus les voies des hommes, ni les songes, ni tout ce qu'un homme peut t'apporter comme une quelconque image, mais que c'est seulement cette parole de Christ qui sera maintenant ta lumière, et que c'est cette lumière que tu vas suivre? Est-ce que tu l'acceptes? Oui, je l'accepte. Hein? Je te baptise au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. À toi la gloire, oh, ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, au ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire pour l'éternité. Alléluia, alléluia. Amen, 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 Madame, amen. Ça, c'est le chemin qui mène au salut. Alléluia. Jésus-Christ parlait à Nicodème et il lui a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Donc, ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est l'image de la nouvelle naissance en Christ. Si vous voulez passer votre vie auprès de Jésus-Christ pour l'éternité, madame, vous devez un jour passer dans les eaux du baptême. Vous devez savoir, vous avez été baptisé de cette manière. Il y a un seul chemin. Jésus-Christ est allé auprès de Jean-Baptiste dans le Jourdain. Ils sont allés dans le Jourdain. S'il y a votre mari, il peut venir écouter. Ah, gloire à Dieu. Vous avez encore une mère. C'est le temps, c'est l'occasion pour elle d'entendre cette parole. Parce que le Seigneur nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Amen. Amen. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas une deuxième chance. Ça peut être la dernière chance de pour vous aujourd'hui d'entendre cette parole. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.
Seigneur Père éternel, Dieu puissant, Dieu miséricordieux, Père, nous attestons encore que tu es un Dieu patient. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Père, tu as accordé la grâce à Franck de venir encore jusqu'à toi, d'accomplir, Seigneur, ce que tu lui as demandé. Père, merci parce que tu as mis cette conviction dans son cœur. Oh Seigneur mon Dieu, lorsque tu commences une œuvre, tu l'achèves. Tu n'es pas un Dieu qui est un Dieu de temps. Tu n'es pas un Dieu qui agit à certains moments. Tu ne fais exception de personne. Père, c'est pour cela que nous avons cette conviction que ce que tu as accompli dans la vie de l'apôtre Paul, Père, que tu peux aussi l'accomplir dans la vie de Franck. Seigneur mon Dieu, tel que Paul, l'apôtre Paul t'a servi, Seigneur, nous te prions afin que celui-ci aussi puisse te servir. Ô éternel mon Dieu, alléluia. Si toi-même, Père, tu l'attestes aujourd'hui, alléluia. Que celui-ci soit un instrument que tu vas utiliser pour Amen. Ton Église. Alléluia. Pour ramener les âmes, Seigneur. Alléluia, vie, Seigneur. Pour les convertir, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Les ténèbres à la lumière. Alléluia. Père, c'est un instrument que tu as choisi. Alléluia, tu as Seigneur. Le maître de la moisson, afin qu'il envoie les ouvriers Amen. À la moisson. Alléluia. Seigneur, voici un ouvrier que nous te présentons. Toi-même, viens le bâtir. Alléluia. Bâtir mon Église. Amen, Père, Seigneur. Viens bâtir cet instrument. Amen. Viens bâtir, Franck. Père, afin que lorsqu'il parlera de toi, que les hommes soient convaincus Amen. Que cette parole vient de toi. Alléluia. Dieu, que partout où il se trouve, qu'il soit une lumière, qu'il éclaire. Seigneur, que cette parole qui sortira de sa bouche soit une épée qui viendra séparer, Seigneur, les ténèbres et la lumière, la moelle. Seigneur, mon Dieu, que tout soit mis à la lumière par la parole qu'il aura mise. Seigneur, donne-lui un esprit, non pas de timidité, mais de puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'il ne parle pas en regardant lui-même, en regardant l'homme qu'il est, mais qu'il regarde Jésus-Christ. Amen. Qu'il ait cette conviction, que cette parole qu'il a confessée aujourd'hui comme étant la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, que ce soit cette parole qui parle en lui. Ô Seigneur, remplis-le de ton esprit. Amen. Viens et dépose tous les dons spirituels en lui. Alléluia. Père, afin que non seulement qu'il parle de toi, qu'il annonce Jésus-Christ, mais aussi que cela s'applique au travers des miracles qu'il va accomplir. Alléluia. Père, là où il y a un malade, qu'il impose les mains et que tu lui donnes la conviction que cette guérison sera accordée. Alléluia, Seigneur. Amen. Père, qu'il ouvre les yeux des aveugles. Amen. Qu'il les conduise, Seigneur, à toi. Amen. Ô Père éternel, je te prie pour son épouse. Alléluia. Que soit une femme soumise, que lui-même soit un bon maître pour son épouse. Alléluia. Ô Père éternel, qu'il puisse instruire ses enfants selon ta volonté. Amen. Seigneur, Amen, Dieu, Seigneur. Agis dans la vie de Franck. Amen, Père, Seigneur. Viens établir ton règne dans sa vie. Alléluia. Dit, nous sommes la maison. Père, que tu t'établisses dans le corps de Franck maintenant. Alléluia. Viens, Seigneur, en lui, ne résiste à ton entrée. Père, toi-même, tu le conduiras dans toute ta vérité. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui est en lui maintenant. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir dans la vie de Franck. Père, s'il y a une quelconque maladie dans son corps, viens et visite-le afin que cette maladie puisse être guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que blocage dans sa vie, que tout cela, Père, tel que toi-même tu nous dis, qu'il est devenu une nouvelle création. Amen. Que tous ces liens soient brisés, Seigneur, qu'il n'ait plus une quelconque, Seigneur, attachement à sa vie passée. Amen. Mais qu'il sache et qu'il ait cette conviction. Amen, Seigneur. Mais il est devenu le Fils du royaume. Amen. Le Fils du Très-Haut. Amen. Amen. Mais que c'est Christ qui vit en lui. Amen, Père, amen, amen. Christ ne peut pas cohabiter avec un démon. Alléluia. De son esprit. Alléluia. Tout ce qui peut ne pas résister, pour tout ce qui peut résister, Seigneur, à ta volonté. Amen, Seigneur. Toi-même, viens établir cet homme, viens établir cet instrument. Alléluia, Père, Seigneur. Jusqu'à ce que tu reviennes. Amen, oh, Seigneur, Père. Dieu, toi-même, le jour où il tombera, Père, éclaire-le. Amen. Père, qu'aucun homme ne vienne le détourner de la voie étroite. Alléluia. Amen. Ne vienne le détourner de ton chemin, mais qu'à chaque instant, qu'il agisse comme les Juifs de Béret. Amen. Père, Amen. Que la Bible que tu lui donnes, Père, que ce rouleau soit en lui. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu le fais avaler ce rouleau. Alléluia, Père, Seigneur. Accomplis ta volonté.
accomplis ta volonté, Seigneur, afin que les âmes soient sauvées au travers de Franck. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu accomplis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné.